parler quelque chose. Avance, Daddy. Ma fille, ce qui est qui s'assoit là-bas, c'est qui? Viens comme ça. Ok. Gloire à Dieu. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as mal en bas. Papa. Ok, je vais prier pour toi. Ça Amen. Va se libérer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que chez vous, il y a une personne qui a eu un enfant et cet enfant, on l'appelle prince? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, pendant qu'ils sont, ils rentrent, je vois une personne en esprit. Mm. Et quand je regarde, je vois une fille. Et une fille qui a eu un enfant. Et cet enfant, on l'appelle prince. Mais la fille, on l'avait poupine. Poupine. Jésus. C'est qui? Jésus. Elle est comme ma soeur. Elle est comme ta soeur. Papa. Maintenant, écoute. Là, il y a un enfant qui s'appelle prince. Parce que toi, tu vas avoir un enfant qui s'appelle roi. Il y a un problème que tu ne connais pas. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu me montre cet enfant qui s'appelle prince. Et cet enfant qui s'appelle prince, les jours, parce que c'était une grossesse difficile de Poupine. Elle s'appelle Suzanne. Merci. C'était une grossesse totalement difficile. Mais quand je regarde en esprit l'approche du bébé, je regarde en esprit, le Saint-Esprit me révèle. Sa grossesse n'a pas été facile pour qu'il accouche cet enfant. Et quand il a accouché cet enfant, il a donné le nom de prince. Prince Épapé. Alléluia. Gloire à Dieu. Professeur. Est-ce que quelqu'un est dans Alléluia. La salle? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Amen. Yes, sir. Je vais activer quelque chose dans ta vie. Yes, sir. Tu auras un enfant qui sera un roi. Amen. Il ne sera pas un prince. Amen. Mais il va dominer ses grands frères et ses grandes sœurs. Et cet Alléluia. Enfant que tu vas accoucher, il va venir avec force. Ça ne sera pas un enfant malade ou bien un enfant fatigué. Amen. Mais c'est un enfant qui aura la force, même qu'il va faire les mouvements avant son âge. Amen. Il va marcher avant son âge. Amen. Il va parler avant son âge. Amen. Il sera très très intelligent à l'école. Amen. Et à partir de cela, un miracle va accompagner cet enfant. Amen. Et c'est pour cela que cette grossesse est venue, que même toi, tu ne connaissais pas que tu étais enceinte. Parce que Dieu l'a envoyé pour essuyer des larmes. Amen. Parce que dans le monde des ténèbres, toi, tu ne pouvais pas accoucher. Mais Dieu t'a donné cet enfant. Mais quand je vois l'enfant, je vois la royauté. L'enfant là sera roi. Yes. Alléluia. Oh, ça va. Je vois pendant que je parle. Yes. Comment on appelle? Professeur, Daddy. Ça parabo. Yes, sir. Yes, sir. À Bonaberry, il y a un quartier là-bas qu'on a Bojongo. C'est un quartier de Bonaberry. Mais Bonindale. Bona. Toi, tu es d'où? Je suis Malimba. Tu es? Malimba. Malimba. Suivez-moi tout à l'heure. Qui vit à Bonaberry? Ma grande sœur qui m'a élevé. La grande sœur qui t'a élevé. Elle vit à Bonindale. Ok. Ça parabo, chidebe. Voici ce qui va arriver tout à l'heure. Parce que Dieu t'enlève. Je suis en train de regarder, voir ce que j'ai vu. Je t'ai vu à Bonaberry, là où je suis en train de parler, le village de Bonaberry là. Mais je vois cet enfant qui ne va pas grandir à Bonaberry, mais qui va grandir hors de ce pays. Amen. Mais qui va étudier avec de grandes personnalités. Amen. Et de grandes personnalités. Amen. Et cet enfant va faire que même dans ta vie, la richesse de ta vie et dans ta vie, c'est cet enfant qui va restaurer ta vie. Amen. La peau sakarabo. Père céleste, Amen. J'ai
libère une onction de la royauté. Amen. Cet enfant ne sera pas prince, mais il sera roi. Amen. Pour engendrer les princes. Amen. Cet enfant ne va pas rester ici, mais il va étudier hors de ce pays. Amen. Il va grandir hors de ce pays. Amen. Parce que j'ai tout ce ventre et je relâche un miracle de la royauté. Reçois cela. C'est fait. Amen. Tu acclames très fort un miracle arrive. Amen, amen, amen. Tu acclames très fort un miracle arrive. Amen. Je prophétise dans ta vie. Yes, sir. Que tout ce qui était impossible devienne possible. Amen. Que tout ce qu'on avait bloqué dans ta vie soit débloqué. Amen. Que les maladies te libèrent complètement ton amen. Corps. Et que tu y entres dans la phase d'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Reçois cela. Reçois cela. Reçois.